je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Goofy poursuivait la pauvre Suzy. Il la croisa près de la série et très méchamment lui dit: si tu me donnes pas ton hanche en moins de deux, je vais te couper en deux. Puis il l'empoigna. Ben, il la ficela. Il l'a mis sous la fille. Zoro est arrivé. Sans se presser. Le grand Zoro. Le beau Zoro. Avec son cheval et son grand chapeau. Mais bientôt, j'ai pris la deuxième chaîne car un vieux schnorr parlait. Charmante soirée sur la deuxième chaîne, il passait le même navet. Près d'une cabane, jour le bougie, coincait la pauvre Suzy. Il lui disait: donne-moi ton manche et poupée ou je te transforme en purée. Puis il l'empoigna. Mais la ficela. Il mit le feu à la dynamite. Zoro est arrivé. Mais moi j'en avais tellement marre, j'ai repris la première chaîne. Et devant mes yeux hagards, se déroulait la même scène. Et Jojo, Jojo le bouffé dans un sac, tout et Suzy disant: donne-moi ton rancher Bouddha ou je vais te balancer sous le train. Puis il l'empoigna et il la ficela. Sur les rails, il la fit rouler. Le train est arrivé, les pompés. Zoro est arrivé, sans se presser. Le grand Zoro, le beau Zoro, avec son cheval et son grand chapeau, avec son flingue et son grand lasso, avec ses bottes et son vieux banjo.